Vous êtes en train de suivre Tupac Ongo Sport, la quintessence du sport congolais. Tupac Ongo Sport, le sport congolais dans toute sa splendeur. En train de suivre Tupac Ongo Sport, la quintessence du sport congolais. Tupac Ongo Sport, le sport congolais dans toute sa splendeur. À domicile, mais grâce à deux buts inscrits par Trésor Poutou Mabi, il améliore son propre record, comme on peut voir en image, et confirme donc sa position de meilleur buteur africain en ce qui concerne les interclubs de la CAF avec 41 réalisations contre 37 à l'ancienne gloire égyptienne. Mahmoud Khatib, buteur contre Ali, faut le dire qu'à la troisième position, on retrouve Mohamed Aboutreika qui a 28 réalisations et Hassan 27, ce sont donc les trois Égyptiens qui viennent derrière Trésor Poutou Mabi, Papi Ali. En tout cas, Trésor Mabi Toutou a défendu son capitanat, je peux le dire. Trésor, aujourd'hui on a vu ce jeune revenir dans sa peau du Trésor du football congolais. On l'a vu, même dans ce match, il a été l'homme du match. Parce que côté congolais, on a vu un Trésor qui est Trésor Mabi Toutou, et de l'autre côté ghanéen, on a vu un Emmanuel Clotet, qui est Emmanuel Clotet, Mr. Clotet. Donc il y avait match entre Trésor, un duel entre Trésor Poutou et Emmanuel. Et Trésor, on a vu, on a senti l'ambition, il avait la volonté. Même il poussait ses amis, en tant que capitaine, il poussait ses amis à jouer, on a vu, même avec les consignes. Donc tu sens qu'il y avait peut-être mécontentement de Trésor Poutou par rapport au système de jeu imposé par l'entraîneur Lamine Diaye. Il a demandé à toute son équipe de monter, d'aller devant pour chercher le but. Donc, Trésor n'est pas mort. Il reste le Trésor du football congolais. Oui, Charles, un peu de mots. Oui, un peu de mots. Hein. Je veux dire que Trésor a fait une très très belle partie. Hein. C'est peut-être son match référence hein, depuis les débuts. C'est vrai, il a bien joué contre l'équipe de Papa Dynamos également. Il a fait aussi un bon match hein, contre l'équipe de El Merir. Hein. Mais là, franchement, il était très très exemplaire. Et c'est pourquoi Papi Ali évoque qu'il a défendu hein, de la plus belle des manières son capitaine. Hein, parce que si on est capitaine, on doit montrer l'exemple. Et hier, on a senti que hein, Trésor Poutou, hein, dans le naufrage collectif, était peut-être le joueur du tout-puissant Mazembe qui a surnagé, qui a essayé de porter son équipe. Et de l'autre côté, hein, il faut... J'ai des dreads sur ma tête. Le lion porte sa crinière, yellow frère. Mais je suis pas un rasta. Non, je suis un homme parmi les hommes. Une créature de Dieu. Et je reconnais qu'il n'est Dieu que Dieu. Et je le remercie de nous avoir envoyé l'Esprit Saint. Moi je ne suis qu'un homme. Un homme parmi les hommes. Un enfant du soleil né à Babylone. Mes dreads sont là pour honorer sa couronne. Gloire au roi des rois. Moi je ne suis qu'un homme. Un homme parmi les hommes. Un enfant du soleil né à Babylone. Je ne suis qu'un homme parmi les hommes. Mon ancêtre est l'argile, mon maître est l'éternel. Et j'espère que mon âme rejoindra le royaume. Il nous a envoyé le roi des rois pour que nous suivions son message. Oh mon frère, rappelle-toi de l'étoile de l'étable et des rois mages. La prophétie m'a raconté l'histoire du saint enfant de Bethléem. À toutes ces guerres de religion, et c'est de la peine que j'éprouve. Ça saigne au cœur, le frère. Yeshua, prophétiste, ne fait qu'un lorsque les livres s'ouvrent. J'ai vu les hommes tuer les hommes au nom de leur foi, bâtir leur temple avec du sang au nom de leur croix, prendre possession du monde et établir leur loi, alors que ce sont eux qui ont crucifié le roi. Oui, j'ai vu que l'Afrique était porteuse de terre sainte, j'ai vu que l'Occident rêvait de la voir éteinte, j'ai vu la sainte Bible, mon frère, ils l'ont repeinte, je crois en Dieu, non pas en la bête et son étreinte. Je ne suis qu'un homme, un homme parmi les hommes, un enfant du soleil né à Babylone.
que, comme l'a dit Charles Mbouya, c'est un problème de choix. Un problème, il faut dire aussi quelque part que l'on sent que Lamine Diaye devient très limité. Il n'a plus rien à ajouter. Parce qu'on l'a vu lors du match contre le National Al-Ahly. C'est le même changement qui a mis Mazembe en difficulté. Mazembe n'a pas su conserver l'avantage, également gérer le match nul et s'est vu encaisser un autre but. Je pense qu'il y a eu un problème là de gérance. Il y a ces problèmes qui se posent au niveau du staff technique. Hein. Donc il faut le dire, Lamine Diaye a beaucoup apporté à cette formation. Jouer regroupé, pas en seconde période, parce qu'en seconde période, Mazembe avait plus besoin non seulement de conserver, mais de faire aussi, de maintenir le pressing et de faire le jeu. Parce qu'on joue à domicile, on a la population, on a toutes les dispositions possibles pour essayer un peu de faire la différence. Parce que c'était un match très capital pour Mazembe qui relançait également les choses dans ses groupes. Donc le staff technique n'a rien tiré de leçon lors du match aller face aux Égyptiens. Lors de la première journée également, ils n'ont pas eu le temps de revoir cette jeune formation qui a sa première participation, Barkoum Tchetsi, qui a bien joué face à puissant Mazembe, c'est plus au milieu du terrain. Retenez bien, à un moment donné, Mazembe s'est retrouvé avec Francis Kassoundé, Loussa Dissou et Sinkala au milieu du terrain, mais Mazembe était complètement bouffé. Et donc, ça veut dire quoi? Il ne suffit pas de mettre des joueurs dans le milieu du terrain qui ne vont. Emmanuel Clouté n'est pas un joueur né de la dernière pluie, il a 24 ans aujourd'hui. Il a déjà joué en Europe, il a été meilleur buteur du championnat ghanéen en 2007. Et là, il revient dans son pays après un passage en Europe, en Autriche et au Danemark également, dans l'équipe de Odense. Donc c'est un joueur très très important. Il a 11 buts depuis les. C'était Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais, présenté par Sabrina Dimoudjahidine.